Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Alors pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, je fais une série de vidéos concernant l'aménagement de mon Kangoo. La vidéo précédente, ça, c'était relatif à l'isolation thermique et phonique. Et là aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu de ma couchette, comment je m'y suis prise pour l'améliorer, pour l'aménager. Alors il faut savoir que j'ai utilisé un maximum de matériaux recyclés, dont du carton. J'ai fait ma couchette avec du carton. Là, ça fait depuis 6 mois que je l'ai et elle tient très bien. Je suis partie en vacances un mois avec, donc j'ai dormi tous les soirs dedans. Pour l'instant, tout va bien. Je ne me suis pas écroulée par terre, enfin sur le sol de mon Kangoo pendant que je dormais. Donc tout va bien. Et donc je vous expliquais un petit peu comment je m'y suis prise. Alors tout d'abord, quand j'avais terminé enfin le sol, le plafond, les murs, enfin l'isolation du Kangoo, ce qui a été vraiment la partie la plus embêtante de l'aménagement du Kangoo, j'étais contente de pouvoir enfin passer à des choses sympas, quoi, comme de se faire une couchette, faire des meubles, faire de la déco dans le Kangoo. En fait, au départ, moi j'avais vu dans les forums, il y avait plein de gens qui faisaient des lits peignes. Alors le principe, c'est simple, c'est des lattes de bois qui vont s'emboîter les unes dans les autres, donc ça vous permet d'avoir un lit qui va s'agrandir pendant la nuit et que vous pourrez refermer la journée. Mais après, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, finalement, moi le Kangoo, je vais l'utiliser à la fois comme utilitaire, comme voiture de tous les jours. Et voilà, après je me suis dit, est-ce que pour l'instant ça vaut le coup d'investir parce qu'après j'étais voir au Brico-Dépôt, j'ai calculé donc le nombre de lattes qu'il me fallait. Bah mine de rien, ça fait un sacré paquet. Si vous voulez une couchette de 60 cm de large qui s'écarte en 1m20, bah, ça faisait quand même assez, ça prenait beaucoup de place. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être réfléchir autrement. Et puis en me promenant sur Épinal, parce que du coup ça me faisait entre 40 et 50 euros de latte. 7 euros la latte, ça revenait un peu cher. Et moi je voulais une solution, voilà, en finir assez rapidement. Et puis en me promenant dans les rues d'Épinal, qu'est-ce que j'ai pas trouvé? J'ai trouvé une super palette en plastique, voilà, quadrillé et tout, et vachement solide. Donc j'étais là la chercher, je l'ai mesurée, elle faisait 1m20, donc pile poil l'ouverture des portes du Kangoo. Donc le matelas, ça dépasse un peu, il dépasse un peu de 20 cm de chaque côté, mais franchement c'est pas grave, parce que voilà, je veux dire, là où on met la tête, et puis il y a toujours des choses en dessous en fait, du coup, ça, c'est pas là où il y a le plus de poids. Donc voilà, ça c'était pas un problème. Donc j'ai pris ma palette à la maison, je l'ai bien découpée. Il y a des petits plots comme ça en plastique. Vu que c'est une palette, il faut qu'elle soit surélevée. Donc je les ai coupés à la scie sauteuse. Et une fois que j'avais terminé ça, donc je suis passée. J'ai d'abord acheté tout ce qu'il me fallait. Donc un matelas, j'ai payé 55 euros. J'étais aussi me chercher à acheter des toilettes sèches que j'ai achetées sur Amazon. Et je vous en parlerai un peu plus en détail par la suite dans la vidéo. Et donc, une fois que j'avais fini ça, il fallait que je découpe le matelas. Donc c'est dans les moments-là, on n'est pas très sûr de soi. Mais voilà, j'ai pris mon temps, j'ai fait plusieurs allers-retours pour aller dans la voiture, pour voir si tout allait bien. Donc le matelas, franchement, ça, pour ceux qui n'ont jamais découpé de matelas, franchement, ça se découpe facilement. Vous prenez un bon cutter, vous ouvrez bien et hop, vous mettez un coup de cutter dedans. Ça part assez facilement. Il me restait un petit morceau de mousse, enfin il m'en reste encore pas mal à la maison, mais y a encore un morceau que j'ai découpé et en fait ça me fait un petit coussin comme ça quand je suis assise dans la journée sur ma couchette. Bah, je peux m'appuyer, puis je suis pas direct contre la vitre, et puis ça me fait aussi
une isolation supplémentaire quand je dors la nuit, comme ça j'ai le coussin et j'ai pas, je touche pas contre la vitre du grand goût. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire du matelas. Alors il était livré avec une espèce de housse en jersey comme ça, vachement souple. En fait, c'est un peu embêtant parce que c'est un peu difficile à faire. Donc moi je l'ai mis un peu sur une ligne et j'ai bien pris le temps de faire des traits au crayon. Et après, ce que j'ai fait aussi deux coutures côte à côte. Donc du coup, en fait, une fois que la machine elle est réglée, ça va tout seul. Et après, j'avais juste un petit coup de ciseau à mettre et voilà, c'était réglé. Donc j'ai eu de la couture, du travail à la scie sauteuse qui m'a fait plein de miettes dans l'appartement. Mais c'est du bricolage. Ensuite, pour ce qui concerne la couchette, alors j'ai utilisé du carton pour faire ma couchette. Et comme je vous l'ai dit, ça tient toujours bien. J'avais peur à un moment que ça s'affaisse un peu. Il y a peut-être 1 cm d'affaissement. Forcément, là où je mets le maximum de mon poids, ça s'est un tout petit peu affaissé. Alors, ce qui était important pour moi, c'était déjà de calculer, parce que comme moi j'utilise cette voiture aussi pour aller faire mes courses, donc j'ai toujours 2 cagettes en plastique que j'utilise quand je vais à la ferme où je vais habituellement faire mes courses. Donc je viens avec mes cagettes, je les remplis au maximum et je les glisse tranquillement dans leur niche. Et du coup, en fait, ce qui est bien aussi, avec le fait que j'ai emballé tout avec du carton et qu'après c'est direct contre la porte, ce qui est bien, c'est que après je couvre avec de la laine, un pull ou un poncho que j'ai. Et en fait, ça me protège super bien mes aliments des rayons du soleil et de la chaleur. Donc même quand il fait super chaud, des fois j'ai pas le choix non plus de mettre ma voiture en plein soleil. J'essaie toujours de trouver de l'ombre, mais des fois c'est pas possible. Alors ce qui est bien, le fait que c'est emballé avec il y a le matelas, il y a la couette, il y a le carton, il y a la porte en plastique. En plus je mets une couverture dessus. Et une fois j'ai toute l'après-midi ma voiture, mes aliments, une fois que j'avais touché, alors ils n'étaient pas frais comme s'ils sortaient du magasin, mais ils étaient encore dans une température correcte. Donc ça me permet de conserver mes aliments. Ensuite, pour la partie un peu moins sexy, j'avais prévu de faire des toilettes sèches. Parce que quand je pars en voyage, ou même parfois au festival, on va à un concert ou quoi, des fois les toilettes, ça donne pas trop envie d'y aller. Et moi, quand je vais, je fais de la route par exemple, j'ai déjà galéré plusieurs fois parce que des fois sur les aires de tournée, il n'y a pas de toilette, il n'y a même pas un buisson pour se cacher derrière parce que voilà, ils veulent pas nettoyer. Donc on doit s'arrêter, mais faut surtout pas faire ses besoins sur les aires d'autoroute, quoi. Donc donc du coup, moi ce que j'ai fait à un moment, j'ai dit stop. En plus pour Nana, alors quand c'est la nuit, on fait puis on s'en va. Mais là le problème, c'est comment faire trouver un endroit sans galérer et tout. Donc là voilà, moi j'ai réglé le problème chez moi. J'ai pris des toilettes sèches et comme ça je suis tranquille. Je couvre avec des copeaux, je ferme le sachet et je jette le sachet dans une poubelle, ni vu ni connu. Et moi je suis tranquille. J'ai pas de problème d'hygiène, de me dire comment je vais faire et tout, j'ai hyper envie et tout. Non, stop. Là j'ai tout ce qu'il faut dans la voiture. Alors évidemment, parce qu'on m'a déjà dit c'est dégueulasse, t'as tes aliments, t'as tes toilettes. Non, quand je les utilise, je les prends direct et puis je les nettoie direct. Je reste pas avec ça évidemment dans la voiture. Mais voilà, je veux dire,
ça c'était le truc moi qui me traumatisait quand j'étais en voyage. Bon, quand on a les commodités, quand on a un appartement et tout, c'est pas un problème. Mais bon, des fois on est à la plage, on sait pas où aller. Voilà. Et donc moi voilà, j'ai résolu le problème. Donc j'ai acheté les toilettes. Alors par contre, quand j'allais enfin dans la conception moi de la couchette, j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'avais même pas réfléchi au truc. Enfin si j'y avais pensé un peu et tout, mais j'étais concentrée sur voilà, faire une petite tablette, faire un tiroir, faire ceci, faire cela. Mais c'était pas la préoccupation première, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait bah il faut. Alors ça c'est un impératif quoi, quand vous aménagez à Kangoo. C'est impératif quand vous mettez assis sur la couchette, faut pas que votre tête touche le plafond, enfin que vous puissiez passer la tête. Parce que voilà, moi j'ai de la chance parce que je veux dire avec la hauteur, moi j'ai mes toilettes, il faut 40 cm de hauteur. Le sommier, plus le matelas, plus la couverture, bah ça fait un peu beaucoup. Je m'attache les cheveux en l'air, bah voilà, ça passe plus. Donc bah voilà, je veux dire, bon moi ça aurait pu être une erreur, mais voilà, j'ai de la chance parce que je passe tout juste. Mais si vous êtes plus grand que moi je suis 1m54, donc il y a des chances que vous soyez plus grand que moi. Bah c'est bien d'y penser quoi, de se mesurer une fois qu'on est assis, une fois qu'on est bien droit, combien ça mesure, et donc ça vous dira combien de place il vous faudra. Avec l'étagère en dessous, tout ce qu'il faut pour le couchage. Et voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc une fois que j'avais préparé donc tout ce qu'il fallait bah, pour faire rentrer mes toilettes à l'intérieur, pouvoir les cacher, il me restait encore un peu de place à l'arrière parce que évidemment quand on a des toilettes, bah, il faut prévoir automatiquement la place pour ranger des copeaux de bois. Alors moi, je les achète des grands paquets chez Action à 85 centimes. Ça fait très bien l'affaire et c'est très bon marché. J'ai mes sacs poubelles, j'ai aussi voilà tout ce qu'il faut pour nettoyer. Ensuite, bah, j'avais encore un peu de place bah, là où je range mes courses au-dessus. J'ai la possibilité, j'avais 10 cm qui restaient, donc j'ai pu me faire encore un petit tiroir. Et à l'arrière du tiroir, j'ai pu me rajouter une petite niche. Alors, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et puis finalement, quand je me suis fait mon petit bac à douche que je vous ai montré dans la précédente vidéo, je vous mets le lien ici si vous souhaitez aller voir. Je me suis bricolé un petit. En fait, je me suis bricolé une petite douche que j'ai fabriquée grâce à un morceau de toile cirée. Et en fait, je l'ai une fois plié, bah, rentre tout pile poil dans la niche. Et après, bah, j'ai encore des rangements en fait, sur l'autre côté. En fait, j'ai de la place pour ranger mes rideaux. Comme ça, je les ai bien sous la main quand je suis en voyage le soir. Hop, 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 je déplie mes rideaux. Vite fait, bien fait, je les accroche aux fenêtres. Et voilà, pour moi, ça s'est vite réglé. Donc voilà, pour ce qui concerne ma couchette. Alors, bah, ce qui était. Ah oui, ce qui est important aussi. Si maintenant vous utilisez du carton pour faire l'aménagement de votre Kangoo, il y a une chose importante à savoir aussi, c'est bah moi, il y a plein de vidéos où je vous montre des meubles en carton où j'utilise le pistolet à colle, mais par contre là le Kangoo vous oubliez parce que la colle en fait elle va pas tenir parce qu'elle ne supporte pas les écarts de température trop importants, donc trop froid ou trop chaud, la colle va lâcher. Donc moi partant de ce constat, ce que j'ai fait, j'ai utilisé. Bah, au début j'avais pas de serre-câble sous la main. Alors ce que j'ai utilisé de la ficelle, mais franchement c'est pas génial, c'est mieux d'avoir des serre-câbles. Pareil, j'en ai trouvé chez Action. Et j'ai utilisé bah, pour le revêtement. Alors ce qui est important aussi, c'est d'imperméabiliser le bas des cartons.
Parce que moi, en plus, j'ai bien fait parce qu'une fois, j'ai eu des kits de refroidissement de voiture qui s'est renversée à l'intérieur de la. Enfin voilà, sur l'arrière du Kangoo, et j'en ai mis partout. Et j'étais bien contente d'avoir mis des petits morceaux de scotch en bas pour voilà, être sûre que le carton ne prenne pas l'eau. Et c'était bien utile. Alors après, le reste du carton, je l'ai laissé brut à l'intérieur parce que voilà, je m'en fiche parce que ça se voit pas. Mais voilà, et aussi ça protège aussi pour éviter que les insectes viennent se nicher à l'intérieur du carton. Donc moi, j'avais bien protégé en bas. Et pour les petites portes, que en fait, je les ai fait vraiment toutes souples et j'ai rajouté de la toile cirée. Alors j'en ai trouvé des morceaux, souvent à la fin du rouleau et les brades à moins 50%, donc j'en avais trouvé quelques morceaux pour me faire, voilà, pour agrémenter mon Kangoo. Et voilà, avec 3-4 euros de toile cirée, j'ai pu me faire une petite déco sympa. Donc voilà, c'était mon aménagement, l'aménagement de mon Kangoo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à visiter mon nouveau site web qui s'appelle allocarton.com. Bientôt, je vais lancer mon entreprise et voilà, je vous réserve quelques surprises sur Facebook, des concours et plein de nouveautés pour le mois de juillet-août 2019. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.